Oh, je vois que l'école arc-en-ciel a besoin d'une campagne de financement. Ce que veut dire campagne de financement, c'est lorsqu'on aide l'école à amasser des sous. Et c'est avec ces sous-là que l'école réalise de beaux projets. Alors, je me rends à toute vitesse à l'école pour les aider dans leur campagne de financement. Bonjour, je m'appelle Marie-Pascale. Je suis un élève de l'école arc-en-ciel. On ramasse des sous pour la diminution des frais reliés aux activités scolaires et à la sortie d'hiver, ainsi que le voyage de la concentration anglais enrichi pour le troisième cycle. Pour nous, les élèves, ce projet-là, c'est très important. Mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Pouvez-vous nous aider, Capitaine Humeur? Ça va me faire plaisir de vous aider. C'est mon travail d'aider les écoles à ramasser des sous pour réaliser leur projet. Je me dirige immédiatement à ma base pour vous aider dans votre campagne de financement. La première chose à retenir pour la campagne de financement, c'est qu'on va vous remettre une lettre aujourd'hui. C'est de la donner à papa ou à maman dès ce soir. Dans la lettre, toutes les informations de la campagne de financement sont indiquées. Donc, c'est pas grave si tu retiens pas tout, car tout est marqué sur la lettre. La deuxième chose à retenir, c'est que dans la lettre, il y a un petit coupon réponse. Papa ou maman va devoir le compléter et le retourner à l'école le plus rapidement possible. Et pourquoi il y a un petit coupon réponse? C'est que papa et maman vont pouvoir se choisir un petit magasin, une mallette avec différents produits à l'intérieur qu'ils vont pouvoir aller vendre soit à mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman. Et c'est avec ces sous-là qu'on va pouvoir réaliser nos beaux projets. Je suis présentement dans notre base secrète. Je vais vous montrer les différents produits que vous allez pouvoir vendre pour votre campagne de financement. Ici, nous avons le chocolat César, de belles grosses barres de chocolat. Elles feront le plaisir de tous et chacun. Le savon à main est vraiment un produit très utile. Qui ne se lave pas les mains? Elle est disponible dans plusieurs fragrances, kiwi melon, mangue tangerine, fraise. Il y a même de l'assainisseur sans eau, de la crème pour les mains et même du savon qui sort en mousse. Donc, très intéressant. Les bouteilles d'eau en aluminium, il y a deux formats. Il y en a des grandes et des petites, et avec différents dessins. Je pense que chaque personne pourra en trouver une qui lui convient. Les boissons chaudes comprennent du café, du thé, de la tisane et même du chocolat chaud. Qui n'aime pas le chocolat chaud, surtout l'hiver? Et en plus, on va pouvoir y retrouver du thé en feuilles et même un infuseur à thé pour ceux qui n'ont jamais essayé ça. Maintenant, Super Julie va vous parler d'un super outil pour vous aider à vendre vos produits. Dans chaque mallette, vous retrouverez un petit livret de coupons. À chaque fois qu'une personne vous encourage en vous achetant un produit, vous lui remettez simplement un coupon. Avec ce coupon, la personne sera remerciée car elle court la chance de gagner l'un des deux crédits voyage de 2000 $ et pour la rembourser, elle aura même un rabais de 10 $ à la forfaiterie. Bonjour les amis, je m'appelle Super Rapide. Vous savez ce qui est important dans les campagnes de financement? C'est la participation. Ceux qui travaillent très fort pour nous aider à amasser des sous, ces sous-là, ils vont servir pour tout le monde. Il y en a qui font un effort supplémentaire. Ils en font plus que les autres. Ces amis-là, il faut les récompenser. Pour remercier tous les amis qui ont vendu au moins deux mallettes sans aucun retour, ces amis-là pourront se choisir soit une magnifique trousse d'artiste, soit un mini haut-parleur pour brancher sur les appareils électroniques ou un mini panier de basketball. Mais j'ai un problème. Moi, je sais pas comment faire quand je rends ma mallette à la maison. C'est une très bonne question. Je sais que vous n'avez pas de super pouvoir comme moi, mais je vais vous expliquer comment faire une fois que vous êtes rendu à la maison. Lorsque tu vas aller voir ton oncle ou ta tante pour la campagne de financement, il est important de parler de votre projet. Bonjour mon oncle, veux-tu m'encourager pour ma campagne de financement? À l'école, on aimerait ça réaliser un beau projet. Regarde mon oncle, j'ai une mallette. Tu peux acheter un produit de ma mallette, puis c'est avec ces sous-là qu'on pourra réaliser nos beaux projets. Bonjour Marie-Pascale, montre-moi ça ta petite mallette. C'est certain que je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Et en plus, ça va vous aider à réaliser votre projet. Donc, n'oublie pas, tu remets la lettre à papa ou à maman dès ce soir et tu retournes le coupon réponse le plus rapidement possible. Merci et bonne campagne à tous!